Good morgen, allez, Idan, les tutres aujourd'hui, le Nishmat, mon Rav Shmuel, ben Shlomo Zalman, Nissim, ben Aouda, Sarah, Batran, Rachel, Shlomo, ben Esther, Risha, Batrim, Nechemia, ainsi que le Fouat, Avraham, Uri, ben Reut, Vetor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Zohim, Perek, Yud Dalet, Mishnah, Chet, Baouli, Rushalaim, Nesu, Habamot, Velo, Ayalaim, Od, Heter, Vehi, Aita, Nachala, Kotchik, Adashim, Nechalim, Lifni, Minakelaim, On est toujours dans le sujet de l'interdit du issour des bamot, c'est-à-dire une bama, c'est d'offrir un korban sur un autel qui n'est pas l'autel du Beth Amikdash ou du Mishkan. Ouais, il y a le Mishkan, c'est le lieu public pour tout le Am Israël, et il y a eu, durant toute l'histoire, des périodes où il était permis de construire un autel chez soi, à la maison, et d'offrir là-bas un korban à Hachem. D'accord ? Cet interdit-là, il a eu des hauts et des bas, selon les périodes, comme ce qu'on a appris. Aujourd'hui, on va prendre la dernière période. Pour rappel, il y avait avant la construction du Mishkan dans le désert, on a le droit de construire des bamotes, les avotes ont fait des bamotes, nos ancêtres au pied du Sinaï ont fait des bamotes aussi, ils ont construit des hôtels et ils ont offert là-bas des korbanotes. Après, il y a eu le Mishkan, interdit d'offrir des korbanotes personnels. Après, on est rentré en Israël, à Gilgal, on avait laissé le Mishkan, mais puisqu'il n'y avait plus de Mahané, on avait le droit d'offrir des korbanot partout. Ensuite, il y a eu le Mishkan Shiloh, on a construit un Mishkan à Shiloh, cette fois-ci qui était en plus dur, c'est ce qui est marqué dans le pasuk. Kilobatem adata el amenucha vel anachala, Shiloh c'était menucha. Après, Shiloh a été détruit à l'époque de Eli, alors de nouveau on a eu le droit d'offrir des korbanot dans les Bamot. Là, donc c'était la période où ensuite il y a eu un Mishkan provisoire qui était construit à Nové Givon, on avait encore le droit. Et par contre, après, à l'époque de... Alors, première période, chez David HaMelech, il n'avait pas encore construit le Mishkan, mais on avait déjà ramené le Aaron à Yerushalayim. Et puis ensuite, Shlomo HaMelech est venu, a construit le Beth HaMikdash, la Menuchat Olamim pour la Shrina, et cette fois-ci, l'interdit des Bamot est entré en vigueur pour l'éternité. C'est ce que la Mishnah nous enseigne. On va revoir ça après dans les psukim Bezrat Hashem. Baou l'Yerushalayim, ils sont arrivés à Yerushalayim, c'est-à-dire le Mishkan et l'autel du Mishkan est arrivé à Yerushalayim. Ne'esru abamot. Dès lors, les bamot, les hôtels personnels, un hôtel où on fait un korban, les hôtels personnels ont été défendus. Ve'lo aya lahem od heter. Et ils n'auront désormais plus jamais de permission. Ça n'existera plus dans l'histoire qu'on va permettre au peuple d'Israël de construire une bama. Occasionnellement, c'est arrivé qu'on offre des korbanotes sur des bamotes. En l'occurrence, Eliyahu Be'ar HaKarmel, là, il a fait un korban, mais c'est ce qu'on appelle des horaot sha'a. Le Navi peut recevoir une prophétie qui va lui permettre de transgresser ponctuellement un interdit de la Torah. En l'occurrence, c'était là-bas ce qui s'était passé. Ça arrive encore de temps en temps, mais de manière générale, jamais cet interdit d'offrir des korbanotes sera levé. Plus jamais. D'accord ? Donc, Velo Elem od Heter, et ils n'ont plus jamais eu de permission, les Bamot. Vehi Aita Nachala, et c'est ce qu'on appelle dans le Pasuk la Nachala, comme ce qu'on va ouvrir le Pasuk tout de suite. Mais pour le moment, on finit la Mishnah. Kochikadashim Nechalin, dès lors, Kochikadashim Nechalin, Lifnim Nakelaim, dès lors, les Korbanot qui seront Kochikadashim, c'est-à-dire les Chataot et les Hashamot, pas la Ola, parce que la Ola est entièrement brûlée pour Hashem, mais en tout cas, les Chataot et Hashamot qui sont Kochikadashim, Hashem et Tzibur aussi, alors seront consommés l'ifni minakelaim, littéralement à l'intérieur des toiles. C'est-à-dire, lorsqu'il y avait le Mishkan qui était construit, les barrières de séparation pour isoler le Mishkan s'étaient faites avec des teintures, ce qu'on appelait les klaim. Lorsqu'on est arrivé ensuite à Yerushalayim, quand on a construit le Beth Amikdash, c'était de la pierre, mais la Mishnah l'utilise malgré tout, que c'est resté le terme l'ifni minakelaim, à l'intérieur des klaim. Des teintures, alors qu'en réalité, il n'y avait pas de teinture. C'était de la pierre. Concrètement, malgré tout, il y a quand même une importance, c'est que si toutefois la pierre, le mur tombe, on peut quand même continuer à dresser un rideau, on tend une toile, et ça fait office de séparation, donc on aura le droit de manger à l'intérieur. Donc finalement, c'est pas faux de dire le mot klaim. D'accord ? Donc, les kotchi d'anachim, ils sont consommés dans l'enceinte du Beth Amikdash, donc qu'on appelle l'ifnim minaklaim, et les kodashim kalim, au Maaser Sheni, et tous les Kodashim Kalim, tous les autres, Korban Toda, Shlamim, Bechor, Maaser, Pesach, ils sont consommés l'ifnim minachoma, à l'intérieur de la choma,
c'est de la Choma de Yerushalayim, c'est ce qui représente le Machane Israël, dans la Choma de Yerushalayim. Ouais, c'est clair maintenant, retenez bien le... C'est très simple. Kodesh Kodashim, ils doivent être mangés nécessairement dans le Bet HaMikdash. Il y avait plein de halachot, comme ce qu'on apprenait dans Ezum Mekoman Shel Zevachim, par les Zichrei Keuna, Kodashim Kalim, eux ils sont plus cool, on a le droit de manger dans tout Yerushalayim, dans l'enceinte de Yerushalayim. D'où on déduit ça, c'est très simple dans le pasouk, on avait déjà ouvert le pasouk de Parashat Kitetse, Kilovatem Ada'ata, El Amenucha ve El Anachala. Il y a marqué là-bas dans le pasouk que Moshe Rabbeinu leur dit, lorsque vous arrivez en Israël, vous ne pourrez plus faire comme ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, d'apporter des korbanot, chacun à sa guise, à sa manière. C'est-à-dire, il y a de quoi approfondir dans le psukim, parce qu'il y a un problème technique. Entre parenthèses, le problème technique, il est qu'à l'époque où Moshe Rabbeinu parlait, il y avait déjà le Mishkan, donc c'est interdit de faire des korbanot. Mais donc, Rachid l'avait expliqué qu'on parle en fait pendant les 14 ans, lorsqu'ils sont entrés en Eretz Israël, et qu'ils n'avaient pas encore hérité le pays. D'accord, je referme la parenthèse. En tout cas, le pasouk nous dit, ce que vous avez le droit de faire aujourd'hui, les korbanot, c'est parce que lo batem ad ata el amenucha ve el anachala, parce que vous n'êtes pas encore arrivé el amenucha ve el anachala, au grand repos et au grand héritage. Et on avait expliqué que el amenucha, ça fait allusion au Mishkan Shiloh, qui s'appelait Menucha, tandis que el anachala, à l'héritage, lorsque maintenant la Shrina, elle est arrivée, elle a résidé à Yerushalayim, c'est ce qu'on appelle la Nachalat Olamim, comme le pasouk, il y a plusieurs psukim qui sont rapportés ici dans le Tosot Yom Tov. Vaitali Nachalati Kariyar. On dit dans le psukim aussi qu'on lit le matin dans le Yechevod, Ki Loitosh Hashem Amo, Venachalato Lo Yaazov. Hashem ne laissera plus jamais son peuple et ne laissera plus jamais sa Nachala, son héritage, son patrimoine qu'il a reçu en héritage, qui vient Chol. C'est-à-dire la terre qu'il a choisie en héritage, ça fait allusion à la Nachala. Et du Mishkan, du Beth Amikdash de Yerushalayim, que désormais il n'y aura plus jamais Nachalato le Yazov, il quittera plus jamais la Nachala qu'il aura choisi pour faire résider sa Shrina. De ce fait, donc de là provient l'interdit des Bamot, même aujourd'hui il n'y a plus de Beth Amikdash. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.